tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. De ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire. De tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. J'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Ta voix pour instruire.
besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. J'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal télévisé entièrement consacré à la classe de mère de l'école Sainte-Marie de Petit-Mât. L'occasion pour vous de retrouver ce séjour à travers ce journal. Eh bien, une équipe de journalistes à l'herbe, ce sont vos enfants précisément qui vont vous présenter les différentes rubriques avec Pierrick et Julie en plateau et toute une équipe de reporters sur le terrain. Allez, trêve de baratin, je m'efface et je laisse le direct à Pierrick. Pierrick, c'est à vous. Merci Jean-Claude de me donner l'antenne. Nous sommes en direct du centre Lagarenne avec la classe de mère de l'école Sainte-Marie de la commune de Petit-Mât. Nous commençons notre journal avec un premier sujet sur le canoë, présenté par Jean-Noël. Oui, Pierrick, je vous reçois bien. Je suis en direct du bassin nautique de la Bernerie-Henri où nos élèves découvrent le canoë grâce à Roland qui leur apprend à pagayer et à barrer tout de suite nos images. Thank you.
avec la première sortie à Pornic, un reportage présenté par Claire. Oui, tout à fait, Julie. Après 2 heures de marche, nos jeunes petits martiens ont atterri sur Pornic. Ils vont découvrir le château de Gilles Doré, le port de pêche et le port de plaisance. Tout de suite, nos images. Regardez les yeux qui sont là, là. Voyez, ici, c'est sa bouche, là. Et alors, il ramène tout avec ça. Ça fait ça. La nourriture, là, avec la pince. P1, L1, 2. Oui, ben écoutez, on va pas avoir beaucoup de temps hein, pour les photos. C'est le plus fort. Le crapaud. Oui, il risque de vous donner des grands coups de queue et ça peut être dangereux. Hein. Ça peut faire grand mal. Là, elle ne donne pas. Alors, vous voyez là, vous avez de grandes antennes, par contre, elle n'a pas de pince, elle. Hein. C'est pour ça que la langouste. Et puis c'est des légendes, des contes de Perrault comme Cendrillon ou Blanche-Neige. Eh vieux, faut arrêter Walt Disney. Eh bouffon, tu me cherches. Allez, on va pas se fâcher pour ça. D'ailleurs, les adultes aussi, ils se boivent. Alors toi, t'es vachement excusable. Je savais bien que c'était de leur faute. Bah tu vois, fallait pas se faire la guerre pour ça. Ça des chalutiers parce qu'ils traînent un chalut. Vous voyez à l'arrière de ce chalutier, vous avez un gros filet qu'on appelle le chalut. Et alors, il va mettre ce filet dans l'eau et il va prendre le poisson qu'il va ramener sur le pont. Il mesure combien de filet maximum? Oh, le filet est suffisamment grand. Des homards et tout ça, ça se prend avec des casiers. Eh, t'as vu ce super chalutier? Bah merci, je suis pas aveugle. Il y a une chose que tu sais pas. Bah quoi? C'est que dans ce bateau, il y a un filet qui s'appelle le chalut, qui sert à ramasser les poissons. D'où le nom chalutier. Bah comment tu sais tout ça, toi? C'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Si tu te crois plus intelligente que les autres... Eh attends, te vexe pas! Attends-moi!
Après une telle sortie sur Pornic, nos élèves ont très faim. L'occasion pour eux de passer à table. Reportage présenté par Pascal. Oui, Jean-Noël, les élèves ont très bon appétit. Je vous invite à découvrir la première partie du repas. Au menu, taboulet, escalope de volaille à la crème avec des haricots verts. Et au dessert, manger des pommes. Et tout de suite, nos images. Canoë, nous découvrons le kayak, reportage présenté par Johan. Oui, Julie, nos élèves se perfectionnent au kayak qu'ils préfèrent au canoë car ils peuvent évoluer seuls au fil de l'eau. Tout de suite, nos images. Thank you.
Et maintenant, un reportage sur l'ostréiculture présenté par Alexis. Oui, Pierrick, je me trouve actuellement devant les parcs à huîtres de la Bernerie en Retz. Les huîtres plates, creuses et fines n'ont plus de secret pour eux grâce à leur guide accompagnateur Roland. Tout de suite les images. Vous avez aussi d'autres choses qui ont été mises par les ostréiculteurs. Ce sont des collecteurs, donc vous avez deux sortes de collecteurs. Et tout à l'heure, eh bien, on va détailler ça. Qu'est une coquille? Vous voyez? Oui. Elle s'en va jusqu'au bout là-bas. Il y a un séparateur, un autre séparateur, une grille Saint-Jacques, et on pose ça sur les tables. Et quand c'est le moment de recueillir les petites larves viennent se coller. Et quand elles vont être suffisamment grosses, que ce soit sur les collecteurs ici ou sur les rochers que vous avez vus dans les poches, d'ailleurs, ils ont aussi des machines. Vous voyez, un autre séparateur, mais je le prends d'après. Collecteur artificiel. Il ne faudrait pas oublier que nous sommes en classe de mer. Reportage présenté par Jordan. Oui, je suis actuellement devant la salle de classe où nos élèves sont actuellement en train de faire des maths. Ensuite, ils mettront par écrit leurs différentes découvertes du séjour en tout de suite nos images. Que...
que la dânerie parce qu'on est rentré dans la nappe. Pornic, on est passé le long. Juste un petit peu à côté, avant Pornic. Après le pont de Saint-Nazaire, à droite, c'est ça. Juste à droite, une exprès, je te laisse. Après le pont. Pornic, la dânerie, là, c'est bien. Alors, sur les distances, courez d'abord. Après le canoë et le kayak, nous découvrons l'optimiste, l'occasion pour eux de le rester. Reportage présenté par Jean-Noël. Oui, tout à fait, Pierrick, nos élèves mettent les voiles cet après-midi, mais je vous rassure, ils restent avec nous pour apprendre à se barrer, à barrer leur embarcation. Je vous rappelle que l'optimiste fait partie de la famille de dériveurs. Tout de suite, notre reportage. Thank you.
Après le repas première partie, nous découvrons la deuxième partie, toujours présentée par Pascal. Oui, Julie, nos élèves ont toujours très bon appétit. Vous remarquerez comme moi leur excellent coup de fourchette sur les bons petits plats cuisinés par Jean-Pierre. Si nos images avaient des odeurs, vous en auriez l'eau à la bouche. Tout de suite, notre sujet. Ce dimanche de fête des mères, nos élèves assistent à une célébration. Reportage présenté par Sloan. Oui, Pierrick, en ce dimanche de la fête des mères à qui nous pensons très fort, nous participons à une célébration organisée par Roland, où le thème du partage est à l'honneur avec l'Esprit de Dieu que nous chantons. Tout de suite, nos images. Faire ce geste de partage, mais en vous disant à chaque fois, vous ne me mangerez pas tout de suite, on le mangera ensemble. En vous... Nos élèves vont à la découverte de Prigny.
reportage présenté par Sloane. Eh oui, Julie, après une sortie à vélo, nos élèves ont rejoint Prinis comme le faisaient les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au programme, la pierre à cochon, Séguenolé et bien d'autres choses. Tout de suite, nos images. Ce qui est à l'entrée, comme l'encre marine, tout un tas de souvenirs. Il y a aussi avec... Vous avez ici la statue de Saint-Guénolé. Exact. Alors regardez là. Et l'un des successeurs de Saint-Guénolé, qui s'appelait Jean. Et Agnès, si un jour tu as un problème pour trouver un mari, viens voir Saint-Guénolé. Et pourquoi ça? Eh bien, si tu lui plantes une aiguille dans son pied, l'année qui suit, tu trouveras un mari. Hein, si tu crois que j'ai besoin de ça pour trouver un mari, tu te trompes. Allez, te prends pas la tête. Si t'as besoin d'un mari, je peux te dépanner. Et Pascal, un bon conseil, t'as intérêt de passer cette pierre. Et pourquoi ça? Parce que c'est une pierre à cochon. Une pierre à cochon? Eh bien voilà. Au Moyen Âge, on mettait cette pierre pour empêcher les cochons d'aller manger les morts. D'où le nom pierre à cochon. Et comment tu sais tout ça? Et qu'est-ce que tu crois? Je l'écoute, moi, Roland. Il n'y a pas que toi qui écoute Roland. Allez, tu ne fâches pas. Tu vois que tu n'es pas un cochon. La preuve, t'as passé la pierre. Petit frère du bout du monde, enfant du soleil, je sais que la terre est ronde, qu'on est tous pareils. Mais je voudrais savoir. Nos camarades ont le droit à une veille et jeûne. Reportage présenté par Alexis. Effectivement, Pierrick, nos élèves profitent d'une sacrée soirée, avec au programme Robineau et Mouillette, la Garuche, le jeu du chocolat. Sans oublier le fameux roi du silence, qui est couronné de succès grâce à sa formule devenue célèbre « Tu veux du gâteau ?» Tout de suite, nos images. Elle t'a dit. Allez, allez. Ah non, 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 non. Déjà joué, là. Vite, vite, vite.
intéressant. Mouillard. Il a absolument de bonheur. Oui, bienvenue à la cour du roi du silence de la Bernerie en Ré. À partir de cet instant, il faut maîtriser vos déplacements en faisant le minimum de bruit. Et surtout, ne vous faites pas piéger par le roi un peu imbécile que je vais être pour l'occasion. Bonne chance, car ce n'est point facile. Place au roi du silence, revu et corrigé. Comment tu t'appelles ? Continue. Tu veux du gâteau ? Mais tu ne veux pas du gâteau ? Tu veux du gâteau ? Il y a un prince et une princesse que l'on peut appeler. Activités, il est temps d'aller se coucher. Reportage présenté par Agnès. Oui, Julie, nos élèves dorment déjà. Certains ronflent tandis que d'autres sont en train de rêver de différentes activités du séjour. Tout de suite, nos images. Souffrir, vaincre ne veut pas dire faire mourir.
À présent, nous partons à la découverte de Noirmoutier. Reportage présenté par Mathieu. Oui, Pierrick, je vous reçois bien en direct de Noirmoutier où nous profitons d'une sacrée journée. Visite des marais salants, l'église Saint-Philbert avec sa crypte. Enfin, je vous rappelle que Noirmoutier est célèbre avec sa fameuse pomme de terre. Tout de suite, nos images. Devant un marais salant de Noirmoutier. C'est là que l'on récolte le sel, les paludiers récoltent le sel. Alors, regardez bien ce marais qui va faire circuler l'eau et qui va le faire cristalliser. Tu sais d'où vient le nom de Noirmoutier ? Non, je ne sais pas. Eh bien, ça vient du mot monastère, parce qu'ici, il y a eu plus de 900 moines. Ouais, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quoi ? Celui qui a inventé le monastère s'appelait Saint-Philbert. Ça t'embouche à quoi, hein ? Bon, allez, on va visiter l'église. Tu sais, moi, je connais plein de choses sur l'église. Important au 7e siècle. En effet, Philbert avait débarqué à Noirmoutier en l'an 674, entraînant avec lui plusieurs dizaines de moines en quête de Dieu. J'ai été à Noirmoutier. Non, c'est la première fois grâce à la classe de mer. Eh bien, moi, j'y suis déjà allée avec mes parents et on s'est fait une super bouffe. Eh bien, moi, je te parie que je devine ce que t'as mangé. Allez, vas-y. Des pommes de terre de Noirmoutier avec du homard. Ça alors, comment t'as deviné ? Bah, c'est facile, c'est le repas typique de la région. Nous arrivons presque à la fin de notre journal avec la soirée dansante présentée par Jordan. Oui, Julie, je vous reçois 5 sur 5 pour nos élèves en direct de la boum où nos élèves s'éclatent comme des fous sur des tubes vachement chevrons. Tout de suite, donnons nos images.
est terminé. En espérant qu'il vous a plu et qu'il était assez complet, bonsoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout sur Télégarène. Jean-Claude, je vous rends l'antenne. Bonsoir. Merci Julie de me rendre l'antenne, elle parle déjà comme une pro. Voilà, ce journal est terminé. Pour ma part, je vous quitte et je vous dis dans 10 ans, 20 ans ou plus, pourquoi pas, pour retrouver ce journal dans vos archives vidéo. Bonsoir.